peut-être d'abord d'écouter les mots. Nous étions un peuple d'agriculteurs et nous allons devenir un peuple d'agroécologues. Il y a toujours de l'agro, agère, le champ, et on passe d'un culteur, la culture du champ, mais également notre culture. Et on l'a bien vu, hein, il y a quelque chose de, comment tu disais, un atavisme, hein, quelque chose de culturel aussi. Un peuple donc d'agro-écologues, et on passe de le logos, la connaissance. Mais la connaissance n'est pas que la science, la connaissance. Par la connaissance, l'observation, la sensibilité. On va passer d'une culture, finalement, c'est important la culture. La culture, c'est ce qui permet de vivre ensemble, de partager une vision commune du monde, et de se reconnaître appartenir à un groupe. Homo sapiens, c'est un animal grégaire. Mais là, on sent qu'il y a justement une énorme mutation devant nous, parce qu'on a compris que tout est lié, que nous sommes, certains disent un, certains disent con, certains disent intelligent, mais nous sommes. Tout est lié. Nous avons aussi compris que cette nature, elle nous est donnée. Tout est donné, tout est don. C'est gratos, hein, ça coûte rien. C'est donné. Mais on a aussi conscience que tout est fragile. Cette immense fragilité du monde dans lequel on est, qui fait quelquefois perdre espoir à certains, qui fait peur, qui... On regardait encore avec Marc-André que combien 250 ans au Brésil, 212 militants écologiques, d'écologie, de la nature, protecteurs de la nature, sont morts au Brésil. Ouais. Il y a des pays où il est compliqué de parler de la nature. Tout est fragile. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Mais ce dogme de l'agriculture, cette croyance qui est bien ancrée dans le cœur, dans l'esprit, dans les habitudes, ce dogme a besoin d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Et depuis quelques années que je parcours la campagne dans cette école de la nature avec Alain, que nous accompagnons nos compagnons dans leur évolution, dans leur mutation, quelque part, dans leur évolution, voire même dans leur rêve-olution. Que dans tout ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types d'éléments qui sont quelquefois des obstacles et qui pourraient nous permettre de refonder, en fait, une nouvelle culture. Une culture qui ne soit plus un culte, mais un logos, une connaissance, une envie d'apprendre ensemble, une envie d'évoluer, de peut-être comprendre aussi. Et le premier élément, c'est qu'il faut prendre conscience à un moment donné que le tout est plus grand que la somme des parties, ce que nous expliquait Marc-André. Que la voiture, ce n'est pas un ensemble de pièces mécaniques, on peut les avoir côte à côte, et que quand tout ça est assemblé, ça fait quelque chose d'autre. Que la biodiversité n'est pas qu'un assemblement de choses, que c'est quelque chose de plus grand. Finalement, dans notre conscience, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire que 1 plus 1 est supérieur à 2. Ça contredit l'algèbre, l'arithmétique, nos enseignements, nos connaissances, notre dogme, et que c'est pourtant ce que l'on vit. 1 plus 1 est différent de 2, et quelquefois supérieur. Un homme et une femme, ça fait des enfants. Que l'émergence,
que quelque chose d'autre émerge d'une rencontre, que quelque chose d'autre émerge de ces associations végétales, de ces pièces mises côte à côte, mais qui, lorsqu'elles sont ensemble, font émerger quelque chose d'autre. Le tout est plus grand que les parties. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour beaucoup de gens. Et tant qu'on n'est pas conscient de ça, ou qu'on ne l'a pas ressenti, qu'on ne l'appréhende pas, ben, y a une espèce de barrière conceptuelle qui fait qu'on ne va pas y croire. Le deuxième élément est assez étonnant. C'est que le temps est plus grand que l'espace. Comment bien percevoir ça? Le temps l'emporte sur l'espace. Notre civilisation est une civilisation de l'immédiateté qui a oublié cette notion du temps et qui assemble rapidement les choses pour concevoir, créer des espaces, des formes, de l'ingénierie, de la technique, des machines. Mais dans la nature, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne à un rythme qui n'est pas celui de l'espace, qui est celui du temps. Dans nos vies, il y a des phases de naissance, de croissance, de mort. Il y a des évolutions et que dans la vie, il y a un temps pour que les choses se réalisent. Dans la nature, avec la biodiversité, et dans notre agriculture, si on ne prend pas conscience que le temps est plus grand que l'espace, et donc plus fondamental et plus important que ce que l'on réalise dans l'espace, dans notre environnement, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Tu parlais des vieux arbres, mais ces vieux arbres qui acquièrent de la connaissance, de la mémoire, de la diversité de leur holobionte, de leur microbiote, de tous les organismes qui vivent autour, plus un arbre est vieux, plus il est occupé d'être vivant. Il faut laisser à l'arbre le temps de devenir vieux pour qu'il devienne résilient. Et c'est ça qui l'emporte sur le fait qu'il y ait un arbre, c'est qu'il y ait du temps. Et le temps, donc, l'emporte sur l'espace. Et que les actions que l'on fait peuvent paraître dérisoires, minuscules, insignifiantes au départ, mais parce qu'on les fait et qu'on leur laisse le temps, elles vont devenir des choses importantes. Et que finalement, les arbres que l'on pourrait planter aujourd'hui seront peut-être des contraintes pour nous, vont nous occuper de l'espace, vont nous enquiquiner, vont nous faire tomber des branches sur la tête ou je ne sais trop quoi, nous donneront du travail compliqué à faire. Mais bien au contraire, dans le temps et dans le temps long, lorsqu'on aura de nouveau des arbres de 500 ans à côté de chez nous, ben les choses iront beaucoup mieux. Le temps est plus grand que l'espace. La troisième idée, c'est peut-être cette histoire du principe de réalité. Que la réalité est plus grande que l'idée. Le bon sens. Vous savez, dans des groupes, quelquefois, quand on essaie de faire ensemble, y a plein d'idées. Hein, on voit, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, il y a ci, il y a ça, mais en fait, tout ça, c'est des concepts, des idées. Ce qui est important, c'est la réalité, ce principe de réalité. C'est que quand on le fait, là, on voit ce que ça fait, et c'est ça qui valide ou invalide les idées. C'est le fait de le faire. Ce principe de réalité. La réalité est plus grande que l'idée. Et ça, dans nos façons de fonctionner, dans les façons de nous présenter, dans nos façons de faire ensemble, d'être conscient qu'on peut avoir des débats d'idées sur la façon de reconstruire le monde, mais tant qu'on ne le fait pas, c'est comme si on ne faisait rien. C'est faux. Ce qui est important, c'est de le faire. Et là, on voit ce que ça fait, on expérimente, on réalise. Et dans les groupes, quelquefois, qu'on accompagne, il y a des gens qui viennent avec plein d'idées merveilleuses. Il ne faut plus labourer le sol. Sauf que, dans le vignoble dans lequel on travaille, les gars, ils ne savent que labourer. Vous voyez, malgré le fait qu'on ait plein de belles idées, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne savent que labourer. Et qu'ils ne savent pas faire autrement. Et la réalité, c'est que, quelles que soient les idées, celui qui va le faire,
S'il ne sait pas faire autrement, il va faire comme il a l'habitude, il va labourer. Cette réalité-là. Cette réalité qui rejoint cette idée aussi du temps long, qu'il y a besoin d'apprendre, il y a besoin d'expérimenter, il y a besoin de faire, de regarder ce qui se passe. Quelquefois, de faire à toute petite échelle. Et lorsqu'on commence à réaliser qu'à toute petite échelle, les choses se passent différemment et quelquefois mieux, ben là, on peut commencer à prendre de l'ampleur et à incarner une idée et que le verbe se fasse chair. Mais ça, je fais un peu trop le curé quand je dis ça. Voilà, et la quatrième grande idée, ou grand registre d'idées, c'est que l'unité prévaut sur le conflit. Et que dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, si on n'est pas conscient qu'à un moment donné, il faut être un, faire unité, quand on est avec des chasseurs, avec des chasseurs et des écologues ou des écologistes, quand on est... Voilà. Si on n'a pas cette volonté, cette croyance que l'unité prévaut sur le conflit, eh bien, on n'avancera pas. Donc finalement, ces quatre idées pour dire que cette nouvelle forme d'agriculture, ou cette évolution de l'agriculture vers une agroécologie, ne pourra bien se concevoir, à mon sens, qu'en prenant conscience de ces quatre points, que le tout est plus grand que la somme des parties, que les parties, que, aidez-moi, le temps l'emporte sur l'espace, que est plus grande que l'idée et que prévaut sur le conflit. Voilà, voilà quelques petites portes, quelques idées, quelques petites choses à essayer de vous inscrire dans la tête et dans vos actes, dans vos façons de réaliser les choses pour avancer vers ce monde que l'on rêve, notre agro rêve Olution. Non, moi je suis ravi d'intervenir aujourd'hui parce que j'ai pas du tout le profil de tous les experts qui sont réunis à la table là. Vous connaissez tous leurs noms, leurs publications, ils sont hors normes, etc. Et moi je suis ravi d'intervenir à cette avec eux parce que ben voilà, c'est un bon cocorico local. Mais moi je suis j'ai un profil un peu particulier, donc je suis le local de l'étape, oui. Je suis naturaliste. Donc plutôt assimilé à tout ce qui va être écologie, écologiste, entre guillemets, on y reviendra peut-être dans les discussions. Mais je suis aussi petit-fils d'agriculteur, fils d'élu, chasseur, pêcheur. Donc finalement, contre toute attente, très jeune, je me suis rendu compte qu'on pouvait concilier ces différentes approches. Et par contre, je me suis vite confronté à des barrières. Clairement, mais quand j'étais avec mon grand-père et mon père à la cabane de chasse du village, j'entendais parler des écologistes, des écolos, de la biodiversité comme une sacrée barrière parce qu'on les empêchait de faire beaucoup de choses. Quand je parlais à mon grand-père, ben même constat. Lui, dès que je lui parlais de petites bestioles ou autres, il me dit « Ah non, mais attends, commence pas à dire que tu as trouvé ça à la maison, on va plus pouvoir faire ci, on va plus pouvoir faire ça, etc. etc. » Et ça, ben, au fil de... des années, je me suis rendu compte que c'était très difficile de faire tomber ces barrières. Et dès lors que vous sortez de votre village, ça devient encore plus dur parce qu'il y a tout un tas de concepts politiques, stratégiques et autres qui se mettent en œuvre, qui mettent encore plus de barrières et qui rendent complètement inopérationnel tout le bon sens, les envies communes et autres. Mais depuis maintenant une quinzaine d'années, dans les différentes assos où j'ai pu travailler, j'essaie, tant bien que mal, de faire ce travail et de faire tomber ces barrières et de faire comprendre aux gens que la biodiversité, c'est plus un levier qu'un frein. Et même pour les agriculteurs, comme c'est pas mal le thème de Paysagine Marciac chaque année, là, vous allez avoir tout un tas d'experts qui n'arrêtent pas depuis tout à l'heure déjà de faire voir que la biodiversité peut être au service de l'agriculture aussi. Mais c'est ce que je fais moi aussi dans le cadre de mon asso aujourd'hui qui s'appelle Nature en Occitanie, qui est une asso qui travaille à l'échelle de la région, comme son nom l'indique, de l'Occitanie. Et sur différents types de missions, finalement, je ne vais pas trop détailler, mais qui brosse de façon large tout ce que fait une association de protection de la nature et de l'environnement. Donc il y a vraiment tout ce qui va être amélioration des connaissances, gestion de sites naturels. On a aussi une casquette quand même militante. Donc on va au contentieux et on a des avocats pour faire ça. Dès lors que la réglementation liée à la biodiversité n'est pas respectée, mais ça arrive
systématiquement après de la pédagogie et autres. Donc ça, c'était pour présenter globalement ce qu'on fait. Et donc sur notre approche, comme disait Alain, sur la mise en œuvre d'actions concrètes, moi je vais vous le résumer avec deux profils types d'acteurs. Ça va être ce qu'on fait avec les collectivités, ce qu'on fait avec le monde agricole. Pour nous, c'est assez nouveau, parce que pendant de très longues années, les assos de protection de la nature ont été invités à rien, clairement. C'est-à-dire que souvent, comme on nous considérait comme des moralisateurs, des anti, beaucoup de choses, etc., ben on était toujours très inquiets de nous faire intervenir, parce que pour les acteurs, pareil, bon, ça a dû quand même se baser sur des histoires vraies aussi, mais il y a aussi beaucoup d'amalgames, d'idées fausses et autres qui ont été colportées, désinformées, pour qu'on ait un flou quand même artistique sur les compétences des assos de protection de la nature aujourd'hui. Donc, depuis, on intervient beaucoup plus. Hein, on est invité. C'est la première année, moi, que j'interviens à Paysages de Marsiac. Et on intervient aussi auprès des collectivités. On travaille aussi avec les chasseurs, avec tout un tas d'acteurs. Parce qu'on s'est rendu compte, et pas que moi, du coup, là, on en a un parfait échantillon, je pense, aujourd'hui, qu'il fallait qu'on se rassemble pour travailler en commun sur la mise en œuvre d'actions concrètes sur les territoires. Donc, pour les collectivités, il y a des outils qui existent, et pareil, des outils pendant longtemps qui ont fait peur. Donc ça va être les ABC, par exemple, les atlas de la biodiversité communale. Donc ça, nous, aujourd'hui, c'est un outil qu'on essaie de promouvoir, parce que c'est une porte d'entrée, en fait. Nous, les portes d'entrée, c'est vraiment très utile désormais, parce que quand on arrive avec toute la bonne foi possible sur un territoire, et qu'on va expliquer, nous, on a envie de travailler chez vous sur la biodiversité, les élus, souvent, ou même des agris, ne savent pas comment aborder ça de prime abord. Mais comme il y a des outils désormais, on se sert de ces outils pour entrer auprès de cet acteur-là et commencer à travailler avec eux. Dans les atlas de la biodiversité, nous, comment on va les traiter? Il y a différents piliers. Il y a toute la partie qu'on essaie de valoriser systématiquement, c'est l'amélioration des connaissances. Ça a été évoqué tout à l'heure, la biodiversité, ce n'est pas que des espèces et des listes d'espèces, mais nous, ça nous permet déjà d'identifier des enjeux sur un territoire, parce qu'il peut y avoir des espèces menacées, protégées, des espèces qui vont nous permettre de mieux comprendre la fonctionnalité de certains écosystèmes. Donc on a besoin d'avoir des listes, pas forcément exhaustives, mais des listes d'espèces qui nous donnent un petit peu quels sont les enjeux sur ce territoire-là. Donc on va avoir des espèces plutôt typiques des zones humides, plutôt des espèces typiques des milieux secs, des vieilles forêts, etc. Et ça va nous permettre de faire un état des lieux. Cet état des lieux, pour nous, il faut obligatoirement qu'il ne se fasse pas que par les experts. Donc la population locale, souvent ils connaissent 10 fois mieux le territoire et les enjeux sur le territoire, on va les amener avec nous dans cette première étape, que ce soit les agriculteurs, les chasseurs, les habitants, le maire, les élus, etc. Et là aussi, c'est une porte d'entrée pour parler de la biodiversité avec tous ces acteurs-là. Donc on a plein d'outils pour faire ça, et on va accompagner tous ces acteurs à faire remonter leurs observations de milieux, de mares, de vieux arbres, de vieilles haies, de trognes, etc. Mais aussi de petites bestioles très particulières, et on va déterminer avec eux, on va profiter de l'occasion pour faire monter en compétence aussi, même si des fois c'est juste faire quelques rappels, parce qu'on s'aperçoit que sur un milieu rural, il y a une bonne connaissance quand même des espèces, même si on n'arrive pas toujours à déterminer la petite bestiole, mais de façon globale, on connaît ce patrimoine. La deuxième étape, ça va être avec eux de définir quels sont les enjeux, et pas les enjeux que pour nous en tant qu'asso, mais les enjeux pour leur territoire. Qu'est-ce que ça va être leur point fort sur leur territoire, leur faiblesse, et ensuite le point 3, du coup, comment améliorer tout ça. Et donc là, on met des programmes d'action de façon très concrète qu'on construit avec les habitants, la collectivité, les différents usagers qui interviennent sur la commune, dont tout type d'acteurs, et on fait un programme d'action dans le temps avec eux. Donc ça, c'est un peu l'approche qu'on a aujourd'hui en très synthétique avec les collectivités. Il y a aussi les territoires, les TEN, donc je viens de perdre l'acronyme, c'est les territoires, c'est ça l'improvisation. Territoires engagés pour la nature, voilà. Comme c'est tout nouveau, moi je n'ai pas encore travaillé dessus. Et là c'est pareil, ça va être, c'est l'inverse de l'ABC. L'ABC, on va travailler sur l'état des lieux et le plan d'action. Les territoires, les TEN, ça va être pour valoriser le travail qui est fait
sur le territoire. Et ça permet aux collectivités, en adhérant à ce système-là, de mettre en place aussi des actions qui vont leur permettre de mobiliser des nouveaux fonds publics, etc. Parce que c'est bien beau de vouloir faire des choses, mais des fois, il faut aussi des budgets pour le faire. Donc ABC et TEN, aujourd'hui, nous, pour les collectivités, c'est les deux outils qu'on se sert pour travailler avec eux. Et l'autre point, pour finir, parce qu'Alain m'avait dit 12 minutes pile, je dois être à 7. L'autre point, c'est les agriculteurs. L'agriculture même. Alors pour ça, vous imaginez nous, quand tu as un casseau de protection de la nature, comme c'est novateur de pouvoir rentrer dans ce monde-là. Vous y êtes, parce que beaucoup de personnes présentes dans la salle ont un profil d'agronome. Nous, aujourd'hui, on a plus un travail d'écologue, même si les agronomes sont des écologues aussi. Mais on est souvent assimilé en tant qu'assaut, comme je le disais tout à l'heure dans les préjugés, dans des personnes qui vont quand même avoir énormément d'exigences par rapport à l'agriculture et aux agriculteurs. Donc ça fait 3-4 ans qu'on travaille de plus en plus avec les agriculteurs. Et moi, j'en suis ravi parce que ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne parce qu'on a commencé à apprendre, à dialoguer. Et c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais comme vous, j'imagine, vous n'êtes pas toujours d'accord. Et j'espère qu'il y a de la controverse aussi, ici, entre vous. Mais l'idée, c'est de se parler, de se retrouver sur le terrain. Et on a commencé comme ça. Moi, je me suis retrouvé avec une coopérative locale, Val-de-Gascogne, qui fait plutôt de l'agriculture conventionnelle. Et on m'avait dit, mis avec 15 agriculteurs, pendant 2 jours, en salle, enfermés. Mais je vous assure que la première heure, ça a été un peu compliqué quand je me suis présenté en tant que naturaliste, etc. J'avais des gens avec les bras croisés, donc avec une posture, et qui m'attendaient, clairement. Et on a fini, on s'est fait la bise au bout de 2 jours, et on s'est dit, mais comment on ne s'est pas rencontré avant ? Parce qu'on nous a opposés fondamentalement, vraiment politiquement, stratégiquement, les uns aux autres. Soit, je ne vais pas rentrer dans tous les clichés qui peuvent être dits, mais aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'on a les mêmes envies, clairement. Alors bien sûr, on pourra toujours trouver l'agriculteur ou l'écolo qui n'a pas envie de travailler avec ces acteurs-là. Mais de façon globale, aujourd'hui, moi, tous les acteurs que je rencontre et avec qui je ce discours, on a envie de travailler ensemble. Donc avec l'agriculteur, comment nous, on va travailler ? On va faire un diagnostic partagé. Je crois que c'est le thème d'un des sujets qui va être traité pendant Paysage Inmarsiaque. Mais ça fonctionne très, très bien. C'est-à-dire qu'on va aller sur le territoire avec lui et ses voisins et on va faire une petite balade où moi, je vais partager mon regard de naturaliste. Et si je peux en plus valoriser ma spécificité d'herpétologue, ben ça, je vous assure que dans le naturalisme, quand on est herpétologue, on comprend encore mieux les problèmes de rationalisation qu'il peut y avoir avec la biodiversité. Parce que dès que je parle de serpent, ça, on rentre dans une dimension qui est encore plus irrationnelle que quand on parle de biodiversité et d'agriculture. Et avec l'agriculteur, eh bien, on va lui faire retrouver des espèces qu'il n'avait plus l'habitude de voir. On va lui faire voir, nous, comment on perçoit une zone humide ou une prairie humide, un milieu sec, etc. Et lui, à l'inverse, va nous faire part de toutes ses inquiétudes, de la façon dont il va travailler, de la façon dont il a abandonné justement ces milieux-là, parce que l'élevage pour lui n'était plus un moyen de gérer ces milieux. Et petit à petit, on va regarder, comme on le fait avec les communes, avec les ABC, quels sont les points forts, qu'est-ce qui fonctionne très bien au niveau de son exploitation pour la biodiversité et nous, avec nos spécificités pour le patrimoine naturel, donc vraiment plutôt espèces en jeu, espèces vraiment emblématiques et autres. Et on va arriver à ce qui ne fonctionne pas non plus. Et là, on va essayer de définir, comme pour les collectivités, un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire à moyen, à long terme, avec vous, pour préserver les prairies naturelles, pour restaurer des haies, pour replanter des haies, etc. Et après, on va réorienter aussi avec tous les acteurs du territoire. Pour les, par exemple, moi, j'ai aucune compétence pour planter les. Il y a des planteurs de haies ici. Ben nous, on va leur dire, ici, ça serait bien par rapport à la fonctionnalité, parce qu'on travaille aussi sur tout ce qui est concept de continuité écologique, donc les trames vertes et bleues. Ça serait vraiment intéressant pour le cortège d'espèces qu'il y a ici, qu'il y ait une haie qui soit restaurée là, que ce soit de la plantation ou de la régénération naturelle. Et donc, on va accompagner l'agriculteur petit à petit pour qu'il mette en place ces actions-là. Et ça, c'est soutenu aujourd'hui par certains partenaires financiers auxquels on ne s'entendait pas. Nous, quand on a déposé ce dossier-là, on a la région Occitanie qui nous a accompagnés, l'agence de l'eau aussi, et d'autres partenaires financiers locaux avec des départements et autres. Donc voilà, aujourd'hui, un petit peu comme une asso de protection de la nature et de l'environnement peut intervenir auprès de différents types de publics pour travailler sur faire concilier la biodiversité avec les problèmes que peuvent avoir tous ces acteurs-là.